1930. Une censure, c'est pour les pompiers, tiens, de se dire, ouais, ils s'en inspirent. C'était Louis Ripoux. Et je crois que c'est Louis Ripoux. Ouais. C'était avant Perceval. Avant Perceval, mais avant même la guerre. Avant la guerre, oui, parce qu'il a été rappelé, je pense. Je vais amener Pagnot. Ah, super. Alors après, il faut... C'est tout facile, hein. Même les femmes peuvent le faire. Bah, c'est ça. Même les femmes. On veut 18 degrés et 55% de taux d'humidité. C'est ce qui est demandé pour le papier. Et donc elle commande pour que ça arrive à peu près à ce besoin-là. Et par exemple, le premier magasin, ce sera beaucoup plus froid parce que c'est des photos. Les travaux de la phase 2 du bâtiment central vont définitivement donc terminer le chantier du centre des archives qui sera définitivement installé avec les locaux pour le public et les locaux pour le personnel et qui compléteront donc les locaux de conservation qui ont été aménagés en 2011. Donc il y aura tout un secteur, d'un côté il y aura le secteur du public et de l'autre côté le secteur du personnel. Donc il y aura deux secteurs bien séparés pour pouvoir permettre aux gens de consulter dans des bonnes conditions et nous de travailler également dans de bonnes conditions. Et aussi, il y a donc une salle dédiée à l'accueil des associations et aussi ils ont des locaux spécifiques de travail au premier étage. Donc c'est deux associations dédiées aux archives, à la recherche historique. Donc ils seront au plus près du centre des archives. Donc pour eux, c'est une grande satisfaction aussi. Donc ça c'est les magasins de conservation et donc la fameuse galerie qui va relier les locaux de conservation avec les locaux du personnel et du public. Alors ce qui sera très important pour nous, c'est d'avoir et des locaux séparés du personnel et du public.